C'est parti, go 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 go. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur du Gémeau de Dark Herpes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que... Je suis pas sur le bon serveur là. Atlas Roleplay V2. What? Journal du bord, les capitaines. Je suis actuellement sur un serveur que je ne connais même pas l'existence de cette map. Bon, bah écoutez, on va quand même faire avec. Ok. Papa, je suis un enfant perdu, sans famille, ni vivre. Normalement, je ne devrais pas avoir du mal à trouver une famille. D'accord. Je te retrouve pas, toi. Monsieur ? J'étais coincé dans le mur. Monsieur ? Oui. Ah non, hein. Contre le mur. Bah non, on est de la même famille, ça va être compliqué, garçon. Bah non, je suis pas de la même famille du tout. Bah attends, tu m'expliques, j'ai un chapeau noir, tu as un chapeau noir. Oh, je m'en bats les couilles. Mais ouais, mais c'est bon, on a peut-être été au même casin, hein. Moi j'ai été avec Ali, mais c'est bon, vas-y, contre le mur. Alors par contre, moi je viens d'arriver, c'est pas de prendre les gens comme ça, parti. C'est pas bien, viens, dans okay, mon bah, temps, c'est pas comme gros. Ça. 100. C'est quoi? Et bah en fait, c'était un prank. Ah, faut le dire tout de suite aussi, en tout cas, tu es vachement drôle. Gentil. Vous savez où sont les autres frères ou on est que deux ou trois? Non. Ah, compliqué de faire quelque chose dans cette ville alors. On va faire, c'est peut-être printé, mais d'abord faut être armé. Bah ouais, j'ai vu qu'il y avait une armurerie en bas de la ville. Moi en fait, je me souviens plus trop de ce qui s'est passé. Le seul truc que je me souviens, c'est que les pneus de mon véhicule ont explosé et qu'il y avait des policiers qui me tiraient dessus. Voilà. Ah, d'accord. Eh bah c'est sympa ça. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. À mon avis, j'ai dû faire une crise cardiaque, mais je me suis réveillé parce que en fait, c'était pas une crise cardiaque. Donc, bah, je sais pas alors. Alors, t'as fait une crise cardiaque, mais c'était pas une crise cardiaque? Oui. D'accord. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais je me souviens qu'à la base, j'étais noir, après j'étais rouge. Donc, voilà, c'est ce truc que je me souviens. Tu as vu le grand seigneur? J'ai vu le grand seigneur. Il ressemble à quoi? Ah, bah, je sais pas, il était invisible, mais il me parlait juste. Ah, et il disait quoi? Ah, je vais être chiant, hein. Il disait que j'étais très beau. Que j'allais crever comme une merde. Monsieur, et ça fait autant que vous êtes dans cette ville, hein? Bah, alors en fait, je suis pas venu depuis quelques semaines, mais que fut ma stupéfaction quand je suis arrivé, que j'ai vu qu'il y avait pas mal, que la ville a été refaite en fait, j'ai pas compris. Ah, il y a une fontaine et tout, et c'est trop bien. Vous voulez voir quelqu'un de très fort, regardez. 3, 2, 1. Aïe, bon. Attends, je vous suis défoncé. Bon, écoutez, moi je suis pas expert dans ce métier, j'en ai beaucoup à apprendre. Oh, un Intermarché là-bas, mais il doit y avoir personne dedans. Ouais, mais j'aime bien un hôpital, moi. Et c'est à côté de là où il y a des mecs qui vendent des pampans, donc ça va être parfait. Vous avez une arme à me conseiller d'ailleurs? Ils vendent des miniguns. Ils vendent des miniguns? Bah, en fait, les armes que je vais vous conseiller coûtent cher. Ils vendent des miniguns, oui. Ils doivent vendre à 20 000 euros de miniguns. Ça va, je suis pas. Il a plus la main, le minigun. Il est nul. Ah en ouais fait. Il a l'air bien, mais il est nul. Une fois, je l'avais pendant un braquage de banque, et en fait, bah, il a plus la merde. On a mis plein de balles dans la tête d'un flic et il y a un bruit. Donc voilà, c'est un peu de la merde. J'ai un seul truc, c'est monter sur les voitures de. C'est très bien, ça va, regardez, en fait, là, voilà, on est des thugs. Ta gueule. Voilà, en fait on est des thugs. Et là en fait on va se faire arrêter comme des grosses merdes. Et voilà, on va se faire défoncer. Et voilà, je vais aller en prison. D'accord. Ah, par contre, ouais, attention hein. Oh putain, ça coûte 2000 euros pour se faire soigner. Ça va. C'est une soigne du balle dans les testicules. Là ça en vaut le prix, mais sinon ça vaut pas vraiment le prix. Bon, autant la couper soi-même, hein, ouais. Je veux dire. 2000 balles, c'est cher. Enfin, c'est gentil, ça. Non, bonjour, je te prends des armes. Salutations, amis de la planète. Sûr, dites-moi. Oui, bonjour, je suis pour. Tu veux quoi comme arme? Oh, vas-y, fais-toi plaisir, moi je connais pas trop tout ça. Ok, je voudrais. Deux ice balles et 10 boîtes de munitions. 20 boîtes de munitions pour mon ice ball et pour son ice ball. D'accord, une ice ball est à 10 500. Ah, tiens, j'ai mon water cooling qui s'est enlevé, collègue. Ça fait 21 000 pour les deux, et plus les munitions, c'est 22 000. Waouh! Vous avez les deux ice balles et les munitions. Et 4 Kevlar, c'est 8 000. Donc vous en avez pour 30 000, pile. Je vais acheter un bon pampan. Ah bah oui, pour le prix, j'espère que c'est de la bonne qualité quand même. Bah oui, juste à voir là, ça a l'air d'être de la bonne qualité, non? Oh oui. Vous avez déjà eu une arme comme ça dans les mains? Pas une comme ça, j'étais plus genre type AK-47 carré. Oh, critique pas ma qualité, hein! Sinon, je te le fais tester dans ton cul! Vas-y, prends-le! Et oh! Je vous donne des munitions. Attendez, faut juste que j'aille prendre le water cooling de mon printer, je veux bien. Ah, vous en voulez une autre, d'accord.
monsieur est riche, ok. T'as si riche que ça, j'ai que 400 000. Oui, que 400 000. J'ai pas eu mes deux Kevlar. Oui, pardon, je vous ai donné 4 Kevlar, hein. Non, je rigole. Non, bah non, il y a eu... Oh, Inch'Allah. T'as dit quoi, là? T'as dit quoi? Attends. Inch'Allah. Pardon, tu parles musulman, attends. Non, j'ai dit... Retire tout de suite, t'as dit... Non, mais c'est bon. Mais non, mais c'est bon, j'ai... Ah, mon Dieu, là. C'est un jeune de Kerry, donc voilà. C'est un youtubeur voleur, c'est un voleur. Eh ben c'est bonjour monsieur le maire. Juste un truc à dire avant de partir, c'est Inch'Allah. Ouais, donc je vous propose la première voiture qui a totalement niqué les pneus. Enfin, les pneus sont totalement niqués. Et je vais recevoir un petit peu d'où elle est dans le film que j'avais produit. Alors, taxi. Maison blanche, s'il vous plaît, maison blanche. Merci monsieur, au revoir. Ah oui, d'accord. Merde, putain, j'ai ah, vous j'ai êtes aussi mécanicien. Bon, bah, en fait, faut aller au feu vert avec des pneus crevés, d'accord. Ok, on ça va être très très rapide, montez. Regardez, on va être très vite. Il faut aller jusqu'au concessionnaire avec ça. Bah, déjà, alors, t'as pris quelque chose qui s'appelle la pente. Je pense pas que ça va être bien, tu vois. Voilà, on est bloqué. Mais non, c'est bon, regarde. Intéressant. Putain, mais pas encore, bah, on va très vite, non. Vous avez les retrouvés? Bonjour. Non, sérieux, non, ça se voit. Par contre, ouais, va pas trop vite non plus parce que j'ai peur des accidents. 1 km raté, ça. Alors, est-ce que vous trouvez qu'elle va très vite ma voiture et qu'elle est super bien? Ouais, franchement, elle va hyper vite. Ouais, là, si, ouais, s'il y a quelqu'un qui passe, il va mourir. Hein. On pourra pas s'arrêter. Hein. Ah oui, putain. Eh ben, vous devez faire une course avec lui. Avec notre véhicule, on va gagner. Pour gagner, vous avez 100 euros. Oh non, 1000. Mais si, j'ai pas besoin d'argent. Hein. Ah d'accord. Ah, si vous voulez pas faire de course avec nous, bah je vais me suicider en. Plus, on a non, genre 4 monsieur, elle va me fouder quand même. La vie n'est d'autre qu'injuste. Bon allez, au revoir. Faut agir pour... Enfin bref. Allez, bisous, ciao. Au revoir. On fait comme on peut. En plus, on aurait gagné. Vous avez vu, on est... Attention, monsieur le policier, restez pas sur la route. Bon. Moi, ça rase. Ah, oh, c'est trop bien cette technologie. Mais gros, ça ne serait pas. Les quatre en même bon, temps en ou juste une? Je me rassure sur sa voiture en mode. Bah écoute, y'a pas là dans votre fauteuil hein. Tiens, regardez, j'ai un fauteuil. Oh non, j'ai un fauteuil. Regardez ce que j'ai dans ma pocket. C'est quoi? Ah truc d'un. Ok. On va bien se cacher. Bah, sinon, y'a un garage, il me semble. Hein. Ouais, je crois qu'il y a. Ah, mais rien. Et je crois que vous êtes pas très riche, donc du coup, je vais pas vous donner les clés. Ouais. Ah. 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 Bonjour monsieur. Bonjour, bon bah on pensait que c'était libre mais bon c'est pas non, grave. Non en fait quand t'as acheté cette maison. Comment monsieur? Collègue. Ok. Ouais. Ok tu bouges plus. Ou la porte. Pouvez s'ouvrir la porte pour favor. J'ai un feu, arrêtez. Où stara, où campote et campote et voyage de voras. Entrez à l'intérieur. J'ai rien. Faudra pas d'y ici. Alors, on ne veut pas cacher quelque chose par ici. Toute la maison, j'ai rien fait. Ouais, RAS en bas. Monsieur, et vous ne pourriez pas vendre la maison peut-être? On a besoin d'avoir la place. Non, je viens de m'y installer, monsieur. Pour faire quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, je viens de l'acheter. Pardon? J'ai pas compris. J'ai dit, je viens de l'acheter. Il continue. Il comprend pas lui. Monsieur, monsieur vous venez de l'acheter, mais y a rien dans votre maison, y a rien, monsieur. Et est-ce que je vois votre tête de vieux, vous devez être pauvre, alors... Là, moi et mon collègue va arriver, là. D'accord, je pars. Je vais partir. On change de maison, je crois. On change de maison? Oh, vas-y, parce que. Ah, je pense qu'il va revenir avec tous ses potes là. Non, mais. Ouais, je pense. Je crois qu'il vient d'acheter celle-là. Si. Bon, c'est ça qui la maison? Qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez juste ouvrir la porte, s'il vous plaît? Ah oui, Quoi? Bon, ok, vas-y, c'est bon, vas-y, on le laisse, il est vieux. Il est moche, il est vieux. Attends, je reviens, je vais juste fermer. Vas-y. Wesh! Monsieur, bonjour. De moi, s'il vous plaît. Ah bah bravo! Aïe. Monsieur, vous pouvez venir me noter. Merci, monsieur. Mais on est con, il y avait quelqu'un tout seul là, un feu vert. Vas-y, vite, un feu vert, putain. Monsieur! On a oublié quelque chose. Contre le mur. Oh putain! Merci, monsieur. Bougez plus. Bouge pas, j'ai un pistolet, gros. J'ai un gros calibre. Toi, bouge pas, j'ai un gros calibre. Toi bouge pas. Fais pas le ouf. Vous aviez pris votre arme. What? C'est où ça? Ça c'est derrière un des petits magasins. Ah oui mais ça c'est à l'armurerie. Putain mais ça faudrait tellement aller voir. Il y a des printers. D'accord.
Bonjour monsieur, est-ce qu'on pourrait rendre à la boutique s'il vous plaît pour refaire notre commande? Parce qu'on va faire une très très grande commande. Très très beaucoup. Et mon cul, c'est du boulet, connard. Eh, parlez mieux, garçon là. Mais on va vraiment faire pour faire une grosse commande, parce que c'est une grosse commande et je pense pas que ça va rentrer. Tiens, mais regarde, on est en privé là, t'as vu? Enlève toutes tes armes, tout ce que t'as là. Et voilà, ouais, mais pourquoi il fait ça, mec? Je veux pas. Non, Chine. Monsieur, ils viennent de tuer mon ami à l'intérieur. Ils viennent de tuer mon ami à l'intérieur. Non, je vengerai la mort de mon ami. Non, une scène de crime, ne restez pas ici. Bravo, monsieur le policier. Show you what we do like. One, two, baby, what it do? We can take it back to my place. Show you.